Bonjour à tous, nous allons attendre une ou deux petites minutes en attendant les autres. Alors, comme d'habitude, je vais saluer les gens. Bikert est là, bonjour. Ravija est avec nous aussi. Cosmina Bellou est là. Sundar est là aussi. Bikert est là. Ior est là. Naki Smith est là. Yossi nous rejoint aussi. Victoria Posse est là. Sophia X est là aussi. Widad est avec nous aussi. Donc, nous allons voir si... Comme d'habitude, les autres nous rejoignent en cours de route. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien et je suis prêt à démarrer le cours avec vous, avec bien sûr la rubrique classique pour démarrer. Alors, la question du jour, bonjour Sapna qui nous rejoint. La question du jour, c'est bien sûr celle-ci. Essayez de me dire, finalement, puisque nous sommes mercredi, quel a été, jusqu'à maintenant, le moment le plus sympa de votre début de semaine? Est-ce qu'il y a un moment qui a été spécialement sympathique et vous voudriez le partager avec nous? Allez-y, une petite phrase, s'il vous plaît. Alors, c'est Sundar qui courageusement nous écrit la première phrase. Je me suis détendu. L'étang, ce n'est pas nécessaire véritablement. Je me suis détendu avec ma famille. Bah, écoutez, ça, c'est très très important.
Alors, Julia qui nous dit, le plus sympa, c'est bien sûr le moment quand j'ai appris qu'un ballon, c'est en fait une montgolfière. Ah, mais je savais que j'allais faire plaisir aux gens en partageant mes lumières. J'en ai pas beaucoup de lumières, mais je les partage volontiers. Ivor qui nous dit, ma semaine. Attention, à commencer avec un gâteau pour ma femme. C'était normal ou est-ce que c'était exceptionnel? Je ne sais pas. Très bien, donc un gâteau pour votre femme. Très bien. Sophia X, mon fils m'a dit merci maman quand je lui ai donné les fruits. Faites attention, je. Après ça, vous allez mettre lui, votre pronom. Après ça, vous mettez est donné les fruits. Très bien. Eh bien voilà, votre fils est un garçon très poli. Et ça, c'est important. Widad, ensuite, qui nous dit, le début de semaine, j'étais malade et mon mari a pris soin de moi. Je suis très fière, alors au féminin, de lui et il m'a remonté le moral. Eh ben voilà, ça sert à quelque chose finalement, les maris. Hein, on a trouvé la fonction. C'est un petit peu utile peut-être. Bickert, alors tous les jours, tous les moments avec ma famille ensemble à cause du corona, très bien. Et c'est une chose très très positive. Ravija qui nous dit, j'ai écouté un de mes examens, mais ma famille était... Ah, j'ai échoué, pardon. J'ai échoué à un de mes examens. Ouais, échoué à quelque chose. Mais ma famille était là. Elle m'a aidé à être contente à nouveau. Oui, Ravija, un examen, ça n'est pas la vie entière. Vous n'avez pas échoué. Vous pouvez le repasser, j'imagine. Victoria Posse qui nous dit, je n'ai pas eu de bon moment cette semaine. J'espère la prochaine. Victoria, la semaine n'est pas terminée. Nous sommes mercredi. Techniquement, presque, presque à la moitié de la semaine, on va dire. Donc, vous avez encore beaucoup de possibilités. Sophia X, oui, qui corrige, je lui ai donné des fruits. Très bien. Sapna qui nous dit, la semaine dernière, j'ai fini un livre. Après un mois, c'est le moment le plus sympa. Ah, c'est le moment quand on termine quelque chose, c'est vrai qu'on se sent quand même beaucoup plus léger. Très bien, merci beaucoup pour vos phrases. On va continuer avec l'exercice suivant. Et c'est bien sûr la douceur du jour. Comme vous le savez, chaque jour, nous découvrons une pâtisserie ou quelque chose de doux et qui vaut le détour, comme on dit. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le baba au rhum. Je ne sais pas si vous connaissez le baba au rhum, mais... Nous allons finalement le découvrir avec cette première chose. Comme d'habitude, je vais lire. Il y a des mots qui manquent. Essayez de les écrire. Quand le beau-père de Louis XV, alors duc de Lorraine, installé dans la ville de Nancy, trouvant le Kugelhopf, trop sec, demanda qu'il soit arrosé. Quand le beau-père de Louis XV, alors duc de Lorraine, installé dans la ville de Nancy, trouvant le Kugelhopf trop sec, demanda qu'il soit arrosé. Allez-y. Thank you.
Alors ici, je voulais en fait trois choses. La première chose, quand? Et là, apparemment, tout le monde l'a bien écrit, donc félicitations. Je regarde, mais là, apparemment, tout va bien. La deuxième chose, regardez ici, c'était installer. Et installer, finalement, on attend ici le participe passé. Hein, ce serait un petit peu ici, il joue le rôle d'une certaine façon d'adjectif, donc avec e accent aigu, ça n'est pas l'infinitif, faites attention. Et la dernière chose, en fait, c'était le verbe demander, premier groupe, verbe régulier, et là, j'avais envie d'introduire un petit passé simple. Souvent, le passé simple, souvenez-vous, on l'utilise un petit peu dans ces situations-là, quand on va parler d'un fait historique, par exemple. Donc ici, c'est demanda, donc a, pour la troisième personne du singulier. Nous continuons avec la deuxième chose concernant le baba au rhum. L'écrivain Diderot parle du baba dans une lettre en 1767. Cette pâtisserie connaîtra un vrai succès durant les 19e et 20e siècles. L'écrivain Diderot parle du baba dans une lettre en 1767. Cette pâtisserie connaîtra un vrai succès durant les 19e et 20e siècles. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble. Ici, nous étions à la recherche finalement de trois choses. La première chose, c'est le verbe parler à la troisième personne du singulier du présent. Donc, c'est parle. Là, je pense que tout le monde l'a à peu près trouvé. Julia l'a mis à l'imparfait, alors que je l'avais prononcé au présent. Ensuite, nous avons le verbe connaître qu'on utilise ici au futur, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de se transposer dans le futur du passé finalement. Donc on peut l'utiliser ici, vous avez entendu que c'était connaîtra, donc infinitif connaître, et puis vous le mettez au futur connaîtra. Et puis la dernière chose, c'était durant, hein, au cours, pendant, durant, DURANT. Alors, regardons la troisième et dernière chose au sujet du baba au rhum. C'est en 1735, à Paris, que le pâtissier parisien Nicolas Stroer devint le spécialiste de ce dessert en remplaçant la liqueur utilisée avant par du rhum. C'est en 1735 à Paris que le pâtissier parisien Nicolas Stroer devint le spécialiste de ce dessert en remplaçant la liqueur utilisée avant par du rhum. Thank you.
Alors, c'est Yossi qui nous propose en premier. Ouais, alors faites attention, Yossi, en fait, utiliser ici, c'était la liqueur. Et donc, comme c'est féminin, utiliser doit avoir la marque du féminin à la fin. Je regarde tout le monde. Attendez, attendez, attendez. Non! Mary, Angelia, bravo, vous avez mis le féminin. Sophia, X, vous avez mis le féminin aussi. Donc c'est bien. Utiliser, on devrait le mettre au féminin. Oups, Sophia X, spécialiste. Alors, spécialiste, masculin ou féminin, on écrit avec un E à la fin. D'accord? I just called to say I love you. La même chose, un spécialiste avec un E. À la fin. Les autres, bah écoutez, c'était pas mal. Félicitations. Regardons ensemble encore une fois ces trois choses sur le baba au rhum. Alors, attention, je lis et bien sûr, vous lisez avec moi. Première chose. Quand le beau-père de Louis XV, alors duc de Lorraine, installé dans la ville de Nancy, trouvant le Kugelhopf trop sec, demanda qu'il soit arrosé. Deuxième chose, l'écrivain Diderot parle du baba dans une lettre en 1767. Cette pâtisserie connaîtra un vrai succès durant les 19e et 20e siècles. Troisième chose, c'est en 1735 à Paris que le pâtissier parisien Nicolas Strohrer devint le spécialiste de ce dessert en remplaçant la liqueur utilisée avant par du rhum. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà goûté au baba au rhum? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous n'aimez pas le baba au rhum? Je vous écoute, je vous attends. Alors, oui, non, pardon, Sophia X nous dit en premier non, qu'elle n'a pas encore goûté le baba au rhum. Widad nous dit qu'il est bon, d'accord. Julia, it les Italiens insistent que c'est leur dessert. Ah ben, s'ils veulent. Moi, ça, personnellement, ça ne me dérange pas. Hein. Si les Italiens veulent insister pour que ce soit leur dessert, il faut leur rendre leur dessert. Pas de problème. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Julia. Yossi, on peut le trouver partout dans les restaurants français. Bah, ça dépend, mais souvent, ça fait partie des classiques. Yossi, on peut les trouver très facilement. Mais peut-être que ce n'est plus vraiment un dessert très très actuel. C'est un petit peu un dessert peut-être un peu ancien. La génération de mes parents peut-être et la génération de mes grands-parents étaient encore peut-être attachés au baba au rhum. Pour les autres générations, il y a d'autres desserts un petit peu plus olé olé que le baba au rhum. Bickert, je n'ai jamais mangé un baba au rhum. Save the best qui dit je ne l'ai pas mangé avant. Ice Cubes, pas encore. Sundar, non, mais ça a l'air très délicieux. Si vous aimez le rhum.
Cosmina Bellou, non, je ne connaissais pas cette pâtisserie. Alors maintenant, c'est délicat, il faut faire attention parce que Julia nous dit peut-être que c'est italien. Moi, j'avais trouvé ces choses-là sur l'origine du baba au rhum. Si c'est italien, pas de problème. Aucun problème. Mais bon, Nels Abrams, je n'ai pas encore mangé le baba, mais j'ai envie de le faire quand j'aurai la possibilité. Eh bien, écoutez, faites-le, faites-le. C'est pas exceptionnel. À mon avis, ce n'est pas exceptionnel. Il y a d'autres pâtisseries beaucoup plus incroyables. Mais c'est un classique. C'est vraiment un classique. Ravija qui dit non, je n'ai pas encore goûté cette pâtisserie. Cosmina Bellou nous dit non, je ne connaissais pas. Ior, pardon, nous dit pour moi, cette nourriture est complètement nouvelle. Les desserts en Afrique normalement sont glacés. Très bien. Donc, en général, donc en Afrique, les desserts sont plutôt glacés. D'accord. Skate quoi? Oh, mon ami Laurent est là. Alors, regardez, la personne qui a écrit et qui s'appelle Skate Crisis, c'est mon très bon ami Laurent qui a sa chaîne et je vous invite à aller voir sa chaîne. Il fait du skateboard à un âge avancé, on pourrait dire. Ah mais il s'amuse, on fait tout ce qu'on peut pour s'amuser dans la vie. Voilà, et il dit que ça donne faim et je pense que lui il en a mangé pas mal. I just called qui dit je n'ai pas goûté avant. Très bien, Julia qui dit j'ai mangé un baba au rhum au Châtelet à Paris. Eh ben voilà, Julia avec... Julia elle mange des baba au rhum en France et elle dit que c'est italien. Bravo. Ensuite, Victoria qui nous dit je ne connaissais pas ce dessert. Et après, les gens se félicitent et se saluent. Allez, très bien, on va passer à la rubrique suivante. Allez, tremblez tous, puisque vous le savez, le verbe du jour, alors c'est une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise nouvelle pour d'autres, et c'est de la conjugaison. Vous l'aviez demandé, on le fait systématiquement maintenant, c'est le verbe aller. Le verbe du jour est le verbe aller. Et regardez, nous allons couvrir l'indicatif, le conditionnel et le subjonctif. Nous commençons bien sûr avec l'indicatif présent. S'il vous plaît, je, indicatif présent, écrivez-moi la forme du verbe aller. Merci. Alors jusqu'à maintenant, tout va bien. J'ai vu, je suis. Qui a mis je suis? C'est Morteza. Et Morteza, elle a retiré. Wouh! Donc effectivement, ici, nous sommes d'accord que c'est la forme je vais, VAIS. Ensuite, la deuxième chose, eh bien écoutez, ce sera le futur simple, s'il vous plaît. Futur simple pour aller, première personne du singulier. Voilà, donc effectivement, le radical du verbe aller est un petit peu complexe parce qu'il se transforme en ir, hein, pour le futur et pour le conditionnel. Et après, vous ajoutez juste la terminaison ai. Donc, j'irai, attention, nous sommes d'accord, ai. Allez, on continue avec bien évidemment le passé composé, s'il vous plaît.
première personne au passé composé de l'indicatif. Alors effectivement, comme au passé composé, comme dans tous les temps composés, nous allons utiliser l'auxiliaire être. Ça veut dire que nous allons marquer le féminin ou le pluriel si c'est possible. Donc ici, nous mettons « je suis allé » avec l'option du féminin. D'accord ? Et tout ça parce que effectivement, on utilise être. Regardons maintenant l'imparfait. Alors, s'il vous plaît, la même personne et le même verbe. Alors attention Sapna, vous avez mis j'étais, mais en fait, je pense que vous êtes trompé de verbe, hein, puisque nous sommes toujours avec le verbe aller. Et donc la forme c'est j'allais, donc A-L-L-A-I-S. Pour l'instant, je pense que tout est clair, effectivement. Écoutez, continuons joyeusement avec le plus que parfait. C'est toujours la même personne. Alors, le plus que parfait est un temps composé, donc ça veut dire que nous allons utiliser être, maintenant nous le savons, que nous allons mettre à l'imparfait, donc j'étais, et ensuite nous allons mettre notre participe passé avec l'option du féminin. J'étais allé. Je regarde, pour l'instant c'est correct, attention, ior, c'était pas je suis allé, mais j'étais, donc imparfait, allé, le participe passé. D'accord ? Donc ça c'était le plus que parfait. On continue avec le futur antérieur. Allons-y, je et au futur antérieur. Alors, je vois que c'est un petit peu plus hésitant. Ici, nous sommes dans le futur antérieur. Le futur antérieur, c'est aussi un temps composé. Donc, nous utilisons être,
puisque maintenant nous savons que le verbe aller utilise l'auxiliaire être, ce sera ici au futur simple. Je serai. Et ensuite, comme d'habitude, le participe passé. Comme nous utilisons être, nous marquons le féminin si c'est possible, le pluriel ou le féminin pluriel. Je serai allé. Attention, Ravija, pas de S. D'accord? C'est le futur. Ce n'est pas le conditionnel. Je serai allé. Nous finissons l'indicatif avec le passé simple. S'il vous plaît, le verbe aller au passé simple à la première personne du singulier. Et alors, Ice Cubes nous le dit clairement, le passé simple est dur. Le passé simple n'est pas simple. Alors oui, effectivement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, comme je vous ai dit, on utilise assez rarement le passé simple. Mais bon, c'est bien de le connaître, c'est bien de le visualiser. Et ce qui est important finalement, c'est... Est-ce que quand vous voyez la forme, j'allais, vous arrivez à associer ça au verbe aller, que vous supposez que c'est le passé simple? C'est ça qui est important finalement. Ce qui est important, c'est de pouvoir le comprendre. Vous allez très très rarement l'utiliser et peut-être même jamais. Donc l'utilisation... Là, ce que je vous demande, c'est difficile. Ce qui est très important, c'est de pouvoir voir que j'allais, tiens, c'est le verbe aller et c'est le verbe aller au passé simple. C'est ça qui est important, d'accord? Après ça, le reste, ça n'est pas très, très grave. On continue, youpi youkaïda, avec le conditionnel présent, s'il vous plaît. Alors, Sapna qui me demande de faire une vidéo sur le passé simple, mais Sapna, bien sûr que c'est déjà fait. Ah non, le passé simple, j'ai couvert le passé simple, c'était déjà quelque chose que j'avais envie de faire il y a assez longtemps. Donc ici, en fait, le conditionnel présent, c'est le même radical que le futur simple. Donc, ir, ir. Mais les terminaisons sont différentes et la terminaison pour « je » c'est « a », « i », « s ». Donc vous combinez les deux, « ir », « est », « irait ». Phonétiquement, c'est la même chose que le futur simple, mais c'est très important de mettre le « s ». Le « s » fait la différence. Avec le « s », c'est du « conditionnel présent. Sans le S, c'est le futur simple. Donc faites bien attention et ici, bien sûr, j'espérais voir
un magnifique S à la fin de votre verbe. Attention, conditionnel passé. Alors je crois qu'il aussi était prêt depuis très 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 longtemps puisqu'il l'a juste envoyé quand j'ai fini ma phrase, à peine. Donc c'était très très bien. Effectivement, encore une fois, donc le conditionnel passé est un temps composé. Donc nous utilisons être au conditionnel présent. Je serai, souvenez-vous, A-I-S. Et ensuite, nous allons mettre le participe passé. Et comme toujours, pour tous les temps composés, pour le verbe aller, on va mettre le féminin si c'est possible, et le pluriel ou le féminin pluriel. Et donc ici, l'option avec un E. Je serais allé, on peut faire la liaison, c'est beaucoup plus joli. Regardons maintenant le subjonctif présent. Alors, oui, ben écoutez, ça a l'air d'être assez correct. Le verbe aller, bien sûr, n'est pas régulier. Donc ça veut dire que clairement, pour la construction du subjonctif, c'est toujours un petit peu complexe. Mais vous avez trouvé les bonnes formes. Donc pour je, c'est que j'aille. Souvenez-vous, on l'écrit comme ça, hein, A-I-L-L. E, et on prononce aïe, 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 que j'aille, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille me coucher, etc., etc. D'accord ? Faites bien attention, la forme ou les formes du subjonctif du verbe aller sont un petit peu complexes parce que, comme d'habitude, il y a une différence entre je, tu, il et nous, vous. Donc la conjugaison, c'est que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, 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 que vous alliez et qu'ils aillent. D'accord ? Donc il est un petit peu complexe, je vous invite à regarder les formes si vous ne les maîtrisez pas. Nous allons bien sûr finir avec le subjonctif passé. Thank you.
Alors là, je dois dire que je suis en admiration devant ce que vous m'écrivez, parce que c'est bien. Donc, le subjonctif passé, c'est également un verbe composé. Donc, maintenant, c'est clair que le verbe aller utilise l'auxiliaire être. Ça doit être au subjonctif présent. Que je sois. Et ensuite, vous allez mettre le participe passé, aller. Et encore une fois, on met le féminin. Si c'est possible, on met le pluriel ou on met le féminin pluriel. Mais donc ici, c'est uniquement masculin ou féminin singulier. Bah écoutez, c'est bien. C'est franchement très, très bien. Voilà, donc bah comme chaque jour, hein, et demain, on en fera encore. Et c'est la meilleure technique, vous savez, de répéter et d'être concentré justement sur tous les temps et aussi vraiment de répéter. Et comme ça, on pourra vraiment bien maîtriser ensemble tous les verbes et toutes les formes. Mais en tout cas, félicitations. Le musée du jour. Et comme vous le savez, chaque jour, nous essayons de découvrir un musée un petit peu original. Aujourd'hui, nous allons dans le département de l'Aude et plus précisément dans une ville très, très, très sympathique que je vous recommande de visiter si vous ne l'avez pas fait. C'est Carcassonne. Et à Carcassonne, qu'est-ce qu'il y a comme musée? On pourrait se poser la question. Eh bien, il y a le musée de l'Inquisition. Regardez, il y a des fauteuils à pointe, pinces, outils de torture, cages de fer, pilori, roues, etc. Des instruments de torture, de punition et d'exécution sont exposés dans un bâtiment du XIIIe siècle. Dans la cité médiévale de Carcassonne. Je m'excuse pour l'adresse parce que regardez, non, j'avais pas trouvé. J'ai pas mis à jour l'adresse. Oups, je la retire. C'est à Carcassonne. Il faudra chercher l'adresse vous-même. Il est très très bizarre ce musée. Je me souviens quand on se promène à Carcassonne, si vous avez eu l'occasion d'y aller. On tombe très très rapidement sur des publicités ou des affiches ou des panneaux pour ce musée de l'Inquisition. Donc, si vous passez dans la région et que vous avez envie d'avoir des petites frayeurs, allez voir ce musée. Alors, l'actualité du jour, eh bien, comme d'habitude, nous allons découvrir une actualité dont les Français parlent actuellement ou qui se passe en France. Regardons ça en trois éléments, comme d'habitude. Je dicte et vous écrivez les mots qui manquent. Le grand public et les amis d'Annie Cordy sont invités à lui rendre un dernier adieu à partir de mardi et jusqu'à vendredi. Le grand public et les amis d'Annie Cordy sont invités à lui rendre un dernier adieu à partir de mardi et jusqu'à vendredi. Écrivez les mots qui manquent.
Alors, regardez ici, nous étions à la recherche de trois choses. Donc, la première chose, c'était public. Et là, je pense que tout le monde l'a à peu près bien écrit. Attention, Bickert, public, c'est avec un C. C'est le seul mot de la langue française qu'on écrit avec un C. IC. Alors, je sais que c'est toujours un petit peu bizarre. Parce que vous êtes des gens qui pensez que les Français sont systématiques et logiques. Mais il y a toujours une exception. Donc, public, c'est IC. Ensuite, invité, bien évidemment, on le met au pluriel, puisque vous voyez que c'est son, donc logiquement on va mettre le pluriel E accent aigu S, d'accord? Et puis, un dernier adieu, hein, adieu, on l'écrit comme ça, en un seul mot, A-D-I-E-U. Regardons la deuxième chose concernant Annie Cordy. Le cercueil de l'artiste décédé la semaine dernière sera exposé à la maison funéraire de Cannes, Alpes-Maritimes. Le cercueil de l'artiste décédé la semaine dernière sera exposé à la maison funéraire de Cannes, Alpes-Maritimes. Écrivez les mots qui manquent. Alors ici, nous étions à la recherche de trois mots. Hein. Le premier, c'était cercueil. On a vu ce mot il y a quelques émissions. Hein, donc c'est la boîte dans laquelle nous allons tous partir. Et on l'écrit comme ça, C-E-R-C-U-E-I-L. Cercueil. Ensuite, c'était le verbe être au futur sera exposé. Puisqu'en fait, ici, qu'est-ce que c'est ? C'est le verbe exposé à la forme passive. Hein. Le cercueil sera exposé. Et puis la dernière chose, c'était normalement quelque chose d'assez simple. Et je regarde vos réponses. Là, il n'y a pas de problème. Et c'était maison. Nous sommes d'accord, donc la maison funéraire. Allez, regardons la troisième chose. Concentrez-vous, écoutez. L'inhumation de la chanteuse et comédienne décédée vendredi à l'âge de 92 ans se dérouleront ensuite au cimetière de l'Abadie. L'inhumation de la chanteuse et comédienne décédée vendredi à l'âge de 92 ans se dérouleront ensuite au cimetière de l'Abadie. Alors, nous étions à la recherche de trois mots. Hein. Le premier, c'était chanteuse. Alors, chanteuse, le féminin de chanteur. Pour le moment, je ne vois pas d'erreur. Attention, Victoria Posse, chanteuse, juste un S. D'accord ? Les autres, c'est bien écrit.
Deuxième chose, c'est décédé. Donc, bien sûr, nous devons mettre le féminin. Décédé, accent aigu, parce que nous parlons d'une femme. Et puis, le dernier mot, c'était cimetière. Hein, je regarde comment vous l'écrivez, parce que des fois, faites attention, Julia, c'était avec un i. C-I. Oui, that, c'est bien. Oui. Si je ne dis rien, c'est que c'est bien. I just called, attention. Cimetière. Très bien. Les autres, non, c'était bien. Bon, Ior l'avait pas. Sapna n'avait pas entendu. Bon, bah écoutez, comme ça vous l'avez. Sophia X, attention pour cimetière. Regardons les trois choses concernant cette information un petit peu triste, parce que c'était un personnage assez important en France. Alors, première chose, lisez avec moi. Le grand public et les amis d'Annie Cordy sont invités à lui rendre un dernier adieu à partir de mardi et jusqu'à vendredi. Deuxième chose, le cercueil de l'artiste décédé la semaine dernière sera exposé à la maison funéraire de Cannes, Alpes-Maritimes. Et la troisième chose, l'inhumation de la chanteuse et comédienne décédée vendredi à l'âge de 92 ans se dérouleront ensuite au cimetière de l'Abadie. Et comme chaque jour, je vous propose une photo. Elle est simple, mais elle est assez intéressante, je trouve. S'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire la photo. Merci. Alors, il y aurait la première personne à nous mettre un petit message en nous disant un bateau de pêche sans personne. Bah, la personne qui prend la photo. En tout cas, on ne sait pas. Victoria Posse qui nous dit un bateau attend pour une journée tranquille de pêche dans la rivière. Magnifiquement écrit, Victoria. Voilà. Eh bien, si vous cherchiez un beau moment pour votre début de semaine, ça c'est un beau moment, c'est une magnifique phrase que vous avez écrite. Ravija qui nous dit, le passage est magnifique pour faire de la pêche.
Mais écoutez, très très bien. Ensuite, attendez, attendez, c'était Sophia X en pêchant sur le lac. Attention, Sophia, c'est masculin. Nous profitons d'un bon moment dans notre vie. Très bien. Sundar, un bateau de pêche sur la mer qui est belle, oui. Faites attention pour la préposition, hein. Amira qui nous dit je vois le coucher de soleil, il y a un bateau sur la mer et beaucoup d'arbres. Très bien. Oui, Dad, c'est le coucher de soleil et la mer est calme pour pêcher. Très bien. Bickert qui nous dit une belle nature, je vois une baraque, le soleil se couche, pas d'accent, il y a des arbres, un homme attend sa chasse avec une canne à pêche. Comment ça, ça chasse? Le poisson, vous voulez dire? Alors, Barty qui nous rejoint, il y a un bateau sur un beau lac, entouré par des arbres. Je pense que c'est magnifique, le coucher de soleil. Très bien. Yulia, c'est un lac au nord du monde et une arme qui est orientée vers le coucher du soleil. Il y a-t-il, est-ce qu'il y aurait un symbole dans cette chose? On ne sait pas. Yossi, on voit une grande rivière, peut-être un lac, sur lequel se trouve un bateau de pêche. Eh bien, c'est très bien écrit aussi. Ice Cubes, on voit un beau coucher de soleil entre les arbres d'un bateau avec les équipements d'un pêcheur. Très bien écrit. Victoria Jacques, une journée de détente sur l'eau. D'accord. Save the best, un bateau blanc sur le lac au coucher du soleil. Très bien. Sapna qui nous dit, je veux voir un beau coucher de soleil et la mer est belle. Très bien. Fatima qui nous dit un magnifique moment de coucher de soleil. Très bien. Morteza, je peux imaginer quand je serai à la retraite. Je vais avec mon petit bateau pour pêcher et regarder le coucher de soleil. D'accord. Mais c'est pas nécessaire d'être à la retraite, Morteza, pour avoir des moments comme ça. I just called qui nous dit coucher de soleil sur un lac. Il y a une forêt et un bateau. C'est vrai. Kanika qui nous dit une nature magnifique, beaucoup d'arbres et un soleil incroyable. Très bien écrit, Kanika. Darren, c'est l'après-midi sympathique, il y a un coucher de soleil et c'est très tranquille. C'est vrai et c'est très bien écrit aussi. Daria, attention, cette photo vous rend d'oublier le stress de la vie et tout simplement vous relaxer sur ce bateau au milieu du lac. Et d'apprécier le coucher, est-ce que c'est du soleil et la nature? Cosmina Bellou, qui peut me dire si la lumière que nous essayons de pêcher est le troisième œil d'un ogre ou une étoile prise dans les cheveux d'une belle et bonne princesse? Eh bien oui, on ne sait pas, on ne sait pas. Et peut-être qu'effectivement, Cosmina Bellou, vous avez raison. Peut-être que la personne qui pêche ici veut pêcher le soleil. Et comme chaque jour, nous découvrons un film. C'est un film, c'est un documentaire, hein, comme vous le savez peut-être. Les Français aiment bien faire des fictions, mais ils produisent également beaucoup de documentaires. Donc, le documentaire d'aujourd'hui s'appelle Adolescente. Et donc, nous allons faire comme d'habitude. Une petite lecture, découvrir le film en trois points. Le premier est celui-ci, je vais lire, vous écrivez. Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant tout les oppose. Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant tous les opposent.
Alors, nous étions à la recherche de trois choses ici. La première chose, c'était inséparable. Attention, Julia, ça doit être au pluriel. Même chose pour Barty. Attendez, je clique et j'éternue en même temps. Donc, Barty, ça doit être pluriel, inséparable. Je regarde les autres. Victoria Jacques, inséparable, pluriel. Cosmina Bellou, pluriel. Morteza, pluriel. Ouh! Alors faites attention, hein. Nous avons Emma et Anaïs, donc ça fait deux personnes, donc on devrait mettre un petit S à inséparable. Ensuite, c'était pourtant, hein, donc pourtant, faites attention parce que Ior, vous avez écrit un gros mot. Oh là 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 là! Ior, il a écrit ou elle a écrit un gros mot. C'est pas bien! Et la troisième chose, regardez, c'était le verbe opposer. Et donc ici, on va le conjuguer à la troisième personne du singulier, puisque le sujet, c'est tout. Hein, on suppose que ça va être la troisième personne du singulier. Donc, tout oppose. Faites attention, 2P. Un S. D'accord, Victoria, vous étiez généreuse avec les S, Victoria Possé. Et donc c'était juste oppose comme ça, OPPOSE. Deuxième chose concernant l'histoire de ce documentaire. On suit leur parcours depuis leurs 13 ans jusqu'à leur majorité, 5 ans de vie où arrive transformation et première fois. On suit leur parcours depuis leurs 13 ans jusqu'à leur majorité, 5 ans de vie où arrive transformation et première fois, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, effectivement, Ice Cube qui est en train de rire hein, avec Ior. Ior avait anticipé la rubrique du français familier, mais ça va arriver après. Pas de problème, ça arrive. Alors, regardez, regardez. Donc, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, c'était le verbe suivre. Et le verbe suivre, à la troisième personne du singulier, c'est SUIT. On suit, d'accord, c'est le présent. Ensuite, c'était majorité. Là, je regarde et vous avez très bien écrit majorité. Hein, donc, avec un accent, si c'est possible, si ce n'est pas possible, sachez qu'il y a un accent. Sapna, attention, ce n'était pas mégorité, mais c'était majorité. La majorité en France, c'est 18 ans. D'accord, à 18 ans, on considère qu'une personne est majeure. Et puis la dernière chose, c'était transformation. Ouais. Et transformation était au pluriel, puisqu'on parle de transformation en général, c'est-à-dire qu'il y en a plus qu'une seule, et de première fois au pluriel également. Alors regardons la troisième chose, si vous voulez bien. À leurs 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. À leurs 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié.
Alors, encore une fois, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, c'était le verbe demander, plus précisément, le verbe pronominal se demander. D'accord? Donc ici, troisième personne du singulier, c'est clair. On se demande, quel ici, vous allez l'écrire au féminin, bien sûr, pluriel, puisque vous voyez que femme est au pluriel. Donc féminin pluriel, QUELLES. Quelle femme? Je regarde, ça globalement c'était bien. Globalement c'était bien. Hier, attention, c'était pluriel. Save the best, pluriel avec le S. Kanika, oui, pluriel aussi avec le S, s'il vous plaît. Morteza aussi pluriel. Et alors, devenu dans la même logique, c'est-à-dire que devenu U, c'est la forme basique, c'est-à-dire le masculin singulier. Nous, on veut le féminin singulier. La marque du féminin, c'est E. La marque du pluriel, c'est S. Donc, nous voulons le féminin pluriel, UES. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle nous écrivons devenu avec le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Voilà, regardons ensemble, si vous voulez bien, et si vous voulez lire avec moi, les trois éléments de ce film documentaire qui est sorti, je crois, la semaine dernière, hein, ou cette semaine, j'ai un doute. Première chose, Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant tout les oppose. Deuxième chose, on suit leur parcours depuis leurs 13 ans jusqu'à leur majorité, 5 ans de vie où arrive transformation et première fois. Troisième chose, à leurs 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. Alors, comme vous le savez, vos suggestions, bah écoutez, c'est tout simplement pour découvrir d'autres ressources, d'autres sites ou d'autres chaînes sur YouTube. Et donc, nous avions vu il y a 2 jours la chaîne d'Alexa, nous avons vu hier, je crois, la chaîne de Pierre. Et donc, il y a cette chaîne aussi qui est relativement populaire apparemment, qui s'appelle Inner French. Alors, est-ce que vous connaissez cette chaîne? Est-ce que vous l'utilisez? Comment vous l'utilisez? Qu'est-ce que vous aimez dans cette chaîne? Eh bien, écoutez, c'est l'occasion de nous dire ce que vous en pensez. Thank you.
Alors, regardons Yossi qui nous dit « Je ne connais pas cette chaîne, j'irai la voir après cette leçon ». Eh bien voilà Yossi, c'est l'idée de partager et de s'échanger un petit peu tout ce que finalement vous pouvez utiliser pour apprendre le français. Sophia X qui nous dit « J'aime beaucoup Hugo et Inner French ». Il parle très clairement et je trouve que les contenus sont intéressants. Ben écoutez, voilà. Cosmina Bellou qui nous dit « Oui, je connais ce jeune homme. Il a une voix douce et parle rarement. » D'accord ? Rarement, ça veut dire quoi ? Il ne parle pas ? Rabija, oui, j'utilise parfois. Il parle lentement et parle de sujets divers. Mais ce n'est pas bon pour apprendre la grammaire. D'accord ? Ior qui nous dit « Ce site est nouveau pour moi. » Faites attention, c'est masculin. « Et pourquoi est-ce qu'il y a des sites différents autour ? C'est déroutant. » Non, il n'y a pas de site différent, je pense. Mais allez voir la chaîne. C'est l'idée. Hein. L'idée, c'est vraiment de, comme je vous ai dit, d'utiliser toutes les ressources qui existent pour pouvoir vraiment en profiter au maximum. Bickert, de temps en temps, je regarde ses vidéos sur YouTube. Il parle lentement. D'accord ? Yulia, oui, j'ai vu cette suggestion de YouTube, mais je ne l'ai jamais regardée. Ce garçon est mignon, apparemment, mais je ne sais pas s'il explique bien. Ben, il faut aller voir. Allez voir, Yulia. On ne juge pas sur les apparences. Oui, Dad, j'ai récemment découvert cette chaîne et elle est bonne. Elle contient des vidéos intéressantes. Bon, ben voilà. Ice Cubes, j'aime bien cette chaîne parce que Hugo parle toujours en français et les sujets sont actuels et aussi très intéressants. Très bien. Barty, j'aime Inner French. Il a donné beaucoup de conseils à propos de comment améliorer le niveau de français. Quelquefois, j'écoute son podcast. Sapna, non, je n'ai jamais regardé cette chaîne, mais j'entends beaucoup. Je visiterai son site. Ben oui, allez voir la chaîne, hein, véritablement. Ice Cubes, et aussi sa voix est très claire, comme ta voix, Vincent. Oh ben merci. Merci bien, Ice Cubes. Allez, hop, champagne. Avec Ice Cubes, on a l'obligation de dire champagne au minimum une fois par leçon. Daria, je n'ai vu aucune vidéo de cette chaîne. Je reste sur la chaîne, sur ma chaîne. Le seul fait est que je sais que cette chaîne a trop d'abonnements. Mais non, il faut aller voir. Il faut aller voir. Daria, il faut être curieuse. Soyez curieuse et profitez de tout ce que vous avez. Ensuite, Victoria Jacques, comment savez-vous tout ce que je regarde ? J'aime écouter, entendre quelqu'un de différent parler français. Je veux entendre différents accents. Et ça, Victoria Jacques, c'est très, très important. C'est très important de pouvoir entendre, écouter, s'habituer à beaucoup de personnes différentes quand ces personnes parlent français. C'est fondamental. C'est fondamental. Et Julia qui dit, on juge sur les apparences. Oui, on juge. Ok. Bon, ben on juge. D'accord, d'accord. Cosmina Bellou qui dit, non, je ne me suis pas bien exprimé. Il parle lentement. D'accord, très bien. Bon, ben écoutez, Ice Cubes qui parle de champagne après le cours. Ah ben bravo, bravo, bravo. Allez, très bien, on y va pour la prochaine rubrique. Allez, tremblez, puisque c'est la dictée du jour. Comme vous le savez, nous couvrons les quatre niveaux, A1, A2, B1 et B2. Je vais lire deux fois A1 et A2, et je vais lire trois fois B1 et B2. Là, je me suis dit que pour aujourd'hui, oups,
comme d'habitude, on ferait des phrases qui ne sont pas trop trop difficiles. Alors, A1, si vous avez bien regardé, vous avez vu la phrase, mais c'est comme ça. C'est l'erreur technique du cours. Il y en a toujours au minimum une. Je voudrais manger un pain au chocolat. Je voudrais manger un pain au chocolat. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, je regarde vos réponses qui commencent à arriver. Attention à Just Called. Je voudrais pas de L. Bickert, c'était bien écrit. Bon, bah écoutez, là, ce que je vois pour l'instant, c'est bien. Sapna, attention, c'était un pain. Comme vous voyez, Pain. Alors, souvenez-vous, hein, pour les personnes qui sont habituées au cours, nous avons parlé du pain au chocolat il y a quelque temps. Hein, cette délicieuse viennoiserie très très populaire en France que l'on appelle chocolatine dans le sud de la France. Donc ici, je voudrais, c'est du conditionnel présent, AIS, c'est le verbe vouloir, deuxième verbe à l'infinitif manger, et après un pain au chocolat. Le deuxième niveau, c'est le niveau A2 et on y va de lecture. Elles ont fait du sport toutes les deux. Elles ont fait du sport toutes les deux. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors ici, dans cette phrase, alors premièrement, je voulais mettre un passé composé, donc j'avais envie de mettre le verbe faire au passé composé. Souvenez-vous, le verbe faire utilise l'auxiliaire être, donc ONT pour la troisième personne du pluriel. Elles ont participe passé fait, FAIT. Donc ça, vous avez cette première partie, c'est-à-dire le verbe, hein, on fait. Ensuite, du sport. Il fallait bien entendre du sport. Et ici, sport, c'est au singulier, hein. De le sport se transforme en du sport. Donc c'est vraiment ici au singulier. Et ensuite, toutes les deux. Le sujet, c'était féminin pluriel. Donc, toutes doit être au féminin pluriel. La forme basique, c'est tout, TOUT. La marque du féminin, c'est E. Boum. Toutes. Et la marque du pluriel, c'est S, que vous ajoutez à la fin et vous obtenez toutes, TOUTES. Elles ont fait du sport toutes les deux.
Niveau B1, ça continue. Youpi youpi, je vais lire la phrase trois fois. Nous n'aurions jamais dû lui répondre. Nous n'aurions jamais dû lui répondre. Nous n'aurions jamais dû lui répondre. Allez-y. Alors, je vois que vous êtes très 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 réactif et ça fait plaisir à voir. Alors là, effectivement, hein, nous n'aurions, nous sommes d'accord, je regarde vos réponses. Alors, ici, j'avais envie d'utiliser le verbe devoir. Et j'avais envie d'utiliser le verbe devoir au conditionnel passé. Donc, conditionnel passé, on a vu, c'est un temps composé. Donc, on va utiliser avoir au conditionnel présent. Nous aurions, et après, on va mettre notre participe passé dû. Nous aurions dû. Bien sûr, j'ai envie de compliquer un peu les choses et de mettre une forme négative avec jamais. Ne jamais. Souvenez-vous, on va mettre ne avant l'auxiliaire aurions. Nous ne aurions. Le e chut, disparaît parce qu'il y a une voyelle. Vous mettez l'apostrophe. Nous n'aurions. Et juste après, vous mettez jamais. Nous n'aurions jamais, et vous finalisez avec votre participe passé dû. Nous n'aurions jamais dû lui répondre. C'était la clé de cette phrase un petit peu complexe, et je m'en excuse. Attention, I just called aurions avec un S. Regardez le niveau B2 pour vous donner encore une fois une très très bonne raison de me détester. Allez, je vais lire la phrase trois fois. Après cet événement, virgule, elle ne lui parla plus jamais. Après cet événement, virgule, elle ne lui parla plus jamais. Après cet événement, virgule, elle ne lui parla plus jamais. Alors là, c'est MNM19 qui est en première position. Bravo, MNM19! Alors regardez, regardez, c'était presque parfait. Phonétiquement, c'était magnifique. Malheureusement, événement, souvenez-vous que c'est masculin. Un événement. Et comme ça commence avec une voyelle, on est obligé d'utiliser, vous savez, les démonstratifs, le deuxième
masculin, c'est-à-dire C-E-T. Cet événement. Ça sonne, on entend une sorte de féminin, oui, mais événement, c'est masculin. Donc après cet événement, donc C-E-T, elle ne lui parla. Et là, j'avais envie de vous mettre un petit passé simple. Comme on avait dit, on utilise de temps en temps le passé simple et essentiellement le subjonctif dans les dictées pour le niveau B2. Je regarde vos phrases. Après cet événement, elle ne lui parla plus jamais. Victoria Posset, vous avez réussi. L'accent, c'est pas grave. Les accents, c'est pas grave. Tout le reste, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, Victoria. Il y a des moments incroyables qui sont formidables dans votre vie. C'est aujourd'hui, vous écrivez magnifiquement bien. Félicitations. Allez, merci beaucoup en tout cas pour votre patience. Sérieusement, vous progressez tous. Je vois un petit peu les erreurs que vous faites, mais globalement, il y a quand même, et probablement vous remarquez, probablement vous sentez ça, vous progressez chaque jour. Et ça, c'est vraiment sympathique. Et comme chaque jour, vous le savez, on essaye de découvrir un peintre et une peinture. Et regardez, aujourd'hui, je m'étais dit que ce serait sympathique de regarder une peinture de Camille Pissarro qui s'intitule Châtaignier à Louveciennes. C'est une peinture de 1870 et la voici. S'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire ce que vous voyez. Alors, c'était Ménème 19 qui commence encore une fois en première position. Et Ménème 19 nous dit: une femme marche avec sa fille sur la neige. On pourrait dire sur la neige, on pourrait aussi dire dans la neige, hein, c'est comme vous voulez. Ensuite, Yossi nous dit: on voit une grande maison avec un jardin. La mère promène sa fille dans le jardin couvert de neige. Très bien. Hola my life, ce tableau est vraiment magnifique. Les couleurs sont vraiment homogènes avec un S et décrivent bien l'hiver. Julia qui nous dit: je ne suis pas sûre de ce que je vois parce qu'il n'y a jamais autant de neige en France.
Ah, ça dépend où vous allez en France. Si vous allez dans les montagnes, il y a de la neige. Irène nous dit, il y a une vieille maison colorée, un châtaignier sur le champ et beaucoup de neige. Très bien. Widad qui nous dit, c'est la saison de l'hiver. Il y a de la neige partout et une femme et sa fille qui marchent. Attention, Widad, pluriel, marche, ENT. Dessus, Ravija, il y a une belle maison couverte par la neige. Aussi, il y a une mère et une petite fille qui marchent dans la neige. Très bien. Sophia X, il y a une mère et sa fille marchant devant une féminin maison. Belle, adjectif féminin, BELL. Une belle maison, Sophia X. Darren, il y a une femme et une fille qui sont situées devant une maison rouge. C'est l'hiver aussi, il fait froid, très bien. Victoria Posse, il y a un paysage d'hiver. C'est un paysage d'hiver, il y a beaucoup de neige, mais j'irai me promener. Très bien. Et ça, c'est sympathique, hein? Même s'il y a de la neige, j'y vais. Ior, une maison rouge et devant même une femme et sa fille. Je parie qu'elles l'ont abandonnée, qu'elles abandonnent la maison, vous pensez? Bickert, je vois en hiver. Donc, oui, je vois l'hiver, hein, quand vous parlez du temps. Une femme et sa fille sortent de leur maison, une belle maison, le toit est couvert avec de la neige. Le jardin est calme, pas d'accent, hein. Daria, cette peinture nous montre que c'est l'hiver. Il fait beau avec beaucoup de neige. Dans la rue, il y a une femme avec la petite fille habillée. Alors attention, Daria, habillée, vous mettez le féminin pluriel. E accent aigu, E. S. Et juste après, ça peut pas être un adjectif, c'est plutôt un adverbe. Chaudement. Derrière elle, il y a une grande maison à deux étages. Très bien écrit. Victoria Jacques, une nuit froide, avec de la neige fraîche au sol. Noël en 1998. Vous savez, Victoria, c'est vraiment intéressant que vous parliez de 1998 parce que ma fille est née en 1998 et c'est vrai qu'il y avait énormément de neige cette année-là, en tout cas dans le nord de l'Europe. Donc c'est vrai. I just called, qui nous dit? C'est Heidi et sa tante qui partent de leur maison et qui vont chez le grand-père de Heidi. D'accord. Vous connaissez la chanson? Alors, Barty qui nous dit, je vois une femme qui se promène avec sa fille dans la neige. Très bien. Il y a une maison qui est couverte par la neige. Très bien. Cosmina Bellou qui nous dit, le peintre a été fasciné par la maison rouge qui s'élève. Adverbe, majestueusement parmi les arbres. Les deux créatures humaines sont des éléments supplémentaires pour créer l'idée de mouvement, mais les personnes sont éphémères. Alors, la personne du jour, mais juste pour répondre, ma fille est née en 98, il y avait beaucoup de neige, mais maintenant elle vit à Montpellier, là où il n'y a pas de neige et beaucoup de soleil. Donc, je ne sais pas quelle est la moralité de cette histoire. S'il vous plaît, la personne du jour. Nous avons découvert des gens qui étaient de différentes périodes, des gens qui ont existé et là je vous propose finalement de découvrir une personne qui n'existe pas véritablement en tant que personne puisque nous allons découvrir Marianne. Qui est Marianne? Et ça c'est une bonne question parce que finalement
Vous voyez Marianne un peu partout quand vous allez en France. Donc, nous allons découvrir ensemble ce personnage très important en France qui s'appelle Marianne. Nous allons commencer, comme d'habitude, avec la première chose. Marianne est une figure symbolique de la République française. Marianne est une figure symbolique de la République française. Alors ici, on avait trois choses, effectivement, c'était le verbe être, hein, qu'on conjugue à la troisième personne du présent, donc EST. Hein, donc ça, normalement, ça n'est pas complexe. Attention, Ior, vous l'avez mis à l'imparfait. Ce n'est pas l'imparfait, on va rester au présent, hein, puisqu'on fait une sorte de description actuelle. Hein. C'est une figure, donc figure, je pense que vous l'avez bien écrit, je regarde. Oui, et puis ensuite l'adjectif symbolique, masculin ou féminin, on l'écrit de la même façon, hein, c'est QUE. D'accord? Allez, deuxième chose concernant Marianne. Sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, elle représente la République française. Sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, elle représente la République française. Alors nous avions encore une fois trois choses à trouver. La première chose, c'était femme. Donc ça, j'imagine que normalement, je regarde vos réponses, tout est clair. La deuxième chose, c'était ce que Marianne a sur la tête. Ou alors ce que vous mettez sur votre tête quand il fait froid, c'est un bonnet. Attendez, je dois cliquer. Je ne sais pas pourquoi YouTube a bloqué ça. C'est un bonnet. Donc on écrit ça BONNET. Alors ça peut être ce type de bonnet, hein, ce type de bonnet s'appelle un bonnet phrygien, mais ça peut être un bonnet tout à fait normal. Si vous allez à la montagne, si vous allez dehors, il fait froid, vous allez mettre un bonnet. BONNET. Et puis finalement, c'était le verbe représenter que nous conjuguons à la troisième personne du singulier. Attention, I just called représente avec un E à la fin. Bickert, attention, c'était représente. D'accord? Donc, verbe régulier. Hein. Je représente, tu représentes, il représente, elle représente. Nous représentons, vous représentez, il, elle représente. Allez, troisième chose concernant Marianne. C'est un important symbole républicain et une icône de la liberté
et de la démocratie. C'est un important symbole républicain et une icône de la liberté et de la démocratie. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Alors encore une fois, trois choses. La première chose, c'était important. Donc là, j'imagine, je regarde. Faites attention, CRB, c'était important. D'accord? Donc ici, puisque symbole, c'est masculin, et que vous voyez l'article juste avant, un, ben vous savez que votre adjectif important va être au masculin. D'accord? Victoria Jacques, vous l'avez mis au féminin, mais si vous regardez juste avant, c'est le masculin. Un important symbole. Symbole, c'est masculin, donc important, c'est un adjectif au masculin, comme le mot. Ensuite, liberté. Alors, liberté, idéalement, avec un petit accent. Si vous l'avez, très bien, c'était bien écrit. Donc, je regarde en même temps. Et puis, démocratie, faites attention, CRB. En français, démocratie, c'est T-I-E à la fin. Sophia X, même chose. Hein. T-I-E, Sapna, même chose. I just called, même chose. Ior, même chose. Victoria Jacques, même chose. Faites attention, Sophia X, même chose. Démocratie, T-I-E. D'accord? Allez, troisième chose, on y va. Et c'est... c'est la quatrième chose. Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République française. Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République française. Alors, je vois que vous êtes prêts. Et encore une fois, nous avions trois choses. La première chose, c'était place. Donc ça, nous sommes d'accord que nous l'écrivons P-L-A-C-E. Apparemment, il n'y a pas de problème. Victoria Jacques, pas d'accent, s'il vous plaît. Ensuite, mairie. Alors, mairie, c'est l'endroit où le maire, c'est-à-dire le chef de la ville, travaille. Donc, la mairie, M-A-I-R-I-E, au singulier, mais ici, vous regardez, vous voyez qu'il y avait le pluriel, puisque c'était les. Donc, on doit mettre le pluriel mairie avec un S à la fin. Et puis, finalement, république. Souvenez-vous, je vous ai dit que la seule exception pour le IC, IC, c'est public. Tous les autres, c'est république, I-Q-U-E, IC. D'accord? Alors, joyeusement, nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, bien sûr, ces quatre choses concernant Marianne. Première chose, Marianne
est une figure symbolique de la République française. Deuxième chose. Sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, elle représente la République française. Troisième chose. C'est un important symbole républicain et une icône de la liberté et de la démocratie. Quatrième chose, Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République française. Alors, Sophia X nous demande, est-ce que mairie, c'est la même chose qu'hôtel de ville? Et ça, c'est une grande question. Oui, Sophia X, c'est la même chose. Mais dans les grandes villes, il y a un hôtel de ville. Et dans les villes plus petites ou dans les villages, il y a une mairie. Donc, le bâtiment est le même, mais le nom est en fonction de la grandeur ou de l'importance de la ville ou du village. Alors, comme chaque jour, nous découvrons un paysage et le paysage du jour, c'est ce paysage qui se trouve encore une fois dans les départements de l'Aude et c'est Carcassonne. J'avais envie de vous montrer cette magnifique ville qu'est Carcassonne. Nous avons vu qu'il y a, oui, un musée de la torture, mais ça n'est pas la raison pour aller voir Carcassonne. Carcassonne est une ville incroyablement belle. Si vous avez l'occasion, allez la voir, ça ressemble à ça. Une petite phrase pour me décrire cette photo, merci. Et je regarde, vous n'avez pas l'air d'être très inspiré par cette photo. Alors, je suis triste. Yossi qui nous dit, nous voyons une vieille partie de la ville dans la nuit éclairée par les projecteurs. Sophia X qui nous dit, il y a des phares allumés dans la nuit. Faites attention avec la préposition. Ior, une petite ville jaune se voit dans le ciel. Mais c'est vrai que c'est jaune.
Merci. Hola my life. Dans cette image représente un château fort du Moyen Âge, une image sublime de civilisation. Rabija, dans cette photo, on voit un ancien château, les lumières jaunes la rendent très jolie. Yulia, c'est une photo qui s'agit de Carcassonne qui n'est pas accessible sans voiture, malheureusement. La lumière jaune hors de portée. Amira Haroun, il fait nuit. Un château est lumineux, c'est très agréable. Sapna, l'image sombre, seulement je vois une petite ville lumineuse. Mais c'est l'idée. L'idée, Sapna, c'est de vous donner envie de découvrir plus de choses sur Carcassonne. Victoria Posset qui dit, ça me rappelle les murs d'Avila, une petite ville d'Espagne près de Madrid. Ah ben, clairement, Victoria, il y a beaucoup de choses qui sont comparables en France et en Espagne, et spécialement au niveau architectural quand même. Daria, je vois plusieurs châteaux et un long mur. La photo a été prise tard dans la nuit. Ils doivent être bâtis au cours de l'âge moyen du Moyen Âge. Du Moyen Âge, c'est ce que vous vouliez dire. Bon, écoutez, ben, je vous remercie en tout cas parce que là, bon, c'était pas évident. C'est vrai que la photo n'était peut-être pas la meilleure photo. Alors, j'avais envie, dans Le saviez-vous, que nous continuions avec Carcassonne, puisqu'effectivement, je vous avais mis cette photo que vous avez trouvée plus ou moins inspirante, soyons honnêtes. Simplement, d'où vient le nom de Carcassonne? Alors, effectivement, et ça, c'est très très intéressant. Selon le récit légendaire du XVIe siècle, Charlemagne et son armée étaient aux portes de la ville de Carcassonne afin de la prendre. Cette ville était à l'époque, alors, aux mains des Arabes au XVIe siècle. La cité de Carcassonne avait pour roi un musulman du nom de Balak. Le roi Balak, apprenant l'arrivée des troupes franques de Charlemagne, est décidé à partir à sa rencontre avec son armée, mais il est battu et il meurt. Sa femme, Dame Carcasse, donc l'épouse de Balak, apprenant la mort de son mari, organise seule la défense de la cité. Je vous invite à lire la suite de cette légende, parce que c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Vous apprendrez que le siège de la ville a duré 6 ans et qu'il y a eu quelque chose qui était très très intéressant. Et donc, l'idée c'est que cette femme s'appelle Carcasse et donc la ville de Carcassonne est clairement nommée après cette femme qui était la reine et l'épouse du roi Balak et qui a organisé la résistance contre Charlemagne. Alors, les expressions idiomatiques, vous savez qu'il y en a trois à chaque fois. La première, c'est une expression que je trouve assez amusante, s'en battre l'œil. S'en battre l'œil, donc c'est un verbe qui est clairement pronominal, il faudra faire attention. Et la signification, c'est s'en
moquer. Se moquer de quelque chose, c'est s'en battre l'œil. Regardez, regardez. Ce qu'il peut dire sur moi, ça ne me touche pas. Je m'en bats l'œil. Donc ce qu'il peut dire sur moi, finalement, ça ne m'inquiète pas, ça ne me préoccupe pas, je m'en moque. Ça ne me concerne pas, je m'en bats l'œil. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase avec l'expression « s'en battre l'œil ». Alors c'est Daria qui nous écrit en premier « Chaque fois que quelqu'un s'en bat l'œil, il devient triste. » Ouais, avec le « que hein, » Daria. Yossi, c'est ce qu'il m'a dit, « Je m'en bats l'œil. » C'est vrai. Alors faites attention, Yossi, parce que le verbe « battre », quand vous le conjuguez à la première personne, comme vous le faites, n'oubliez pas de mettre un « s hein, ». B-A-T-E. S, hein, je m'en bats l'œil. Bien sûr, on ne prononce pas le T, bien sûr, on ne prononce pas le S, mais ça doit être là si on veut écrire correctement. Et aussi, je sais que vous voulez écrire correctement. Be curt, toujours je dis à mon fils pour sa chambre qu'il nettoie, mais il s'en bat l'œil. Faites attention, B-A-T. Bickert, il s'en bat l'œil. Très bien. Ior avait écrit quelque chose, mais Ior a effacé son message. Ravija qui dit « Ce qu'il m'a dit ne me dérange pas. » Oui, d'accord, très bien. « Je m'en bats l'œil. Hein? » Alors, Ravija, il faut vraiment l'adapter. Il faut vraiment l'adapter. Donc, « Je m'en bats l'œil. » Julia qui dit « Nous en battrons l'œil juste comme ça. Juste pour le plaisir de s'en battre l'œil, effectivement. Alors, est-ce que cette expression est un petit peu difficile? Parce que je remarque le nombre de personnes qui participent et le nombre de personnes qui écrivent des phrases. Alors, Darren qui dit « Elle m'a dit que je chante mal, je m'en bats l'œil. » Très bien écrit, Darren. Félicitations. C'est une très bonne phrase. Est-ce que quelqu'un d'autre veut m'envoyer une phrase? Sinon, nous allons changer d'expression et ce sera peut-être une meilleure solution d'ailleurs. Regardons l'expression suivante. L'expression suivante, c'est « avoir une faim de loup ». Avoir une faim de loup signifie « avoir très faim ». Un exemple, c'est l'heure de déjeuner, j'ai une faim de loup. Alors, bon, ça c'est quelque chose d'assez habituel, vous pouvez retrouver cette expression avec peut-être un animal différent, mais en général on peut passer par un animal pour dire qu'on a
très, très fin. S'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec cette expression avoir une fin de loup. Alors je vois qu'il y a des il y a des gens qui réagissent avec sans battre l'œil, qui avaient envie peut-être d'exprimer ou de s'exprimer. Victoria Posset nous avait dit si aujourd'hui n'est pas mon jour, je m'en bats l'œil. C'est délicieux, merci beaucoup. Ravija qui dit directement je m'en bats l'œil. C'est pas ça, voilà. Pas de contexte, rien du tout. Amira qui dit elles sont amies, mais tout le temps elle s'en bat l'œil de sa façon de parler. C'est très bien écrit, Amira. Daria, quand il a une fin de loup, il a les boules. Ah oui, d'accord. Daria qui. Oh, ça commence à devenir mélangé là. Cosmina Bellou qui nous dit dans notre monde actuel, c'est mieux d'être sensible ou est-ce que c'est mieux de s'en battre l'œil? Personnellement, je pense que c'est mieux d'être sensible. C'est une discussion, ça doit être développé, mais c'est ma position. Ravija, après avoir regardé trop la télé, j'ai une faim de loup. Oui. N'oubliez pas l'article, hein. J'ai une faim de loup. Julia qui nous dit, après avoir fini ma banane, je n'ai pas une faim de loup, effectivement. Sophia X, quand je mange de la nourriture thaïlandaise, j'ai toujours une faim de loup. Eh ben effectivement, là, si on commence à parler de nourriture, là, tout le monde va commencer à dire, ouh, j'ai envie de manger. Yossi, après avoir travaillé presque toute la journée, j'ai une faim de loup. Faites attention, Yossi, il faut utiliser ce qu'on appelle un infinitif passé. Avoir travaillé. Travailler, participe passé. Avoir travaillé, c'est l'infinitif passé du verbe travailler. Bickert, mon mari et mes fils ont une faim de loup. À tout le temps. Tout le temps, je suis si fatigué. Ah oui, mais donc c'est vous qui cuisinez tout le temps pour votre mari et vos fils? Non, Bickert. Non, 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 non. Il faut changer ça. Ior, vous avez mangé toute la viande. Oh là là, vous avez vraiment une faim de loup. Très bien. Irène ou Irene, toute la journée, je n'ai rien mangé. J'ai une faim de loup maintenant. Oui. Ice Cubes qui dit oui, j'ai une faim de loup maintenant. Je peux manger un éléphant. Ça fait beaucoup un éléphant. Je ne sais pas comment on cuisine un éléphant. Pauvre animal. Ensuite, Victoria Posset qui nous dit, après avoir fait une grande promenade, j'ai une faim de loup. C'est magnifique, Victoria. Continuez comme ça. C'est votre jour. Youhou! I Just Called qui nous dit, elle a toujours une faim de loup. Toujours, I Just Called avec un S à la fin. Hein? Toujours, O-U-R-S. Très bien écrit en tout cas. Darren, j'ai passé une longue journée, je suis épuisé, puis j'ai une faim de loup maintenant. Je vais commander des pizzas au téléphone. Oui, d'accord, très bien. Je vais commander des pizzas, c'est suffisant. Sapna, quand moi et mes amis nous rencontrons, nous avons toujours une faim de loup et nous dépensons beaucoup d'argent. Bicker, tous les jours, je suis dans la cuisine. Mais non, il ne faut pas. Alors, troisième expression, être à côté de la plaque. Ça aussi, c'est une expression qui est assez traditionnelle. Ça veut dire se tromper ou répondre à côté de la question. Quelqu'un vous pose une question. Et vous répondez quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui n'est absolument pas
en relation avec la question. Ça, c'est être à côté de la plaque. Donc, un petit exemple. Tu as entendu sa réponse? Elle est complètement à côté de la plaque. Quelqu'un lui a posé une question, elle a répondu, mais elle a répondu à quelque chose de complètement différent. Et donc ça, c'est être à côté de la plaque. Je sais que ce n'est pas facile, mais essayez, s'il vous plaît, de m'écrire une petite phrase pour illustrer cette expression. Merci. Et c'est Yulia qui est première et qui nous dit « Chaque fois quand Vincent dicte, j'écris quelque chose à côté de la plaque !» Alors c'est correct, je ne pense pas que ce soit vrai, mais ça c'est une autre discussion. Yossi qui nous dit « Ta réponse à ma question, faites attention hein, Yossi, question c'est féminin, est à côté de la plaque. » Très bien. Ravija, quand ma mère m'a demandé où j'étais à côté de la plaque. Alors oui, oui. On prend des libertés avec l'expression là. Ior, on lui a posé une question. Est-ce que c'est sur son métier? Mais sa réponse est à côté de la plaque. Oui. Sophia X, les politiciens sont très bons pour être à côté de la plaque quand nous posons des questions qu'ils ne voudraient pas entendre, peut-être. Qu'ils, faites attention, QU apostrophe. Daria, cet enfant est à côté de la plaque. Mais grâce à son professeur gentil qui a corrigé sa réponse, l'enfant découvre les nouvelles... Faites attention, ouais, expression c'est féminin. Donc votre adjectif, vous le mettez au féminin pluriel. V-E-L-L-E-S. Les nouvelles expressions idiomatiques. C'est très très gentil ça, merci Daria. Victoria Possé, quand je demande, quand le travail est fait, il est à côté de la plaque. Alors Victoria, est-ce que c'est le peintre? Nous parlons de votre projet de peinture, j'ai l'impression. Ne vous inquiétez pas, ça arrive et c'est normal. Alors, le livre du jour, c'est la possibilité de découvrir effectivement des auteurs et des livres qui sont contemporains ou anciens. Là, on va regarder quelque chose qui est assez récent. C'est Le cœur synthétique et c'est un livre qui est écrit par Chloé Delhomme. Comme d'habitude, je vais vous lire les éléments qui vont vous présenter l'histoire, vous devez écrire les mots qui manquent. Attention. Adélaïde vient de rompre. Après des années de vie commune, elle décide de s'élancer sur le marché de l'amour. Adélaïde vient de rompre.
Après des années de vie commune, elle décide de s'élancer sur le marché de l'amour. Allez-y. Alors nous avions trois choses à trouver. La première chose, c'était un verbe à l'infinitif, et c'est rompre. Hein? La deuxième chose, c'était un adjectif commune. On le met au féminin parce que vie, c'est féminin. Une vie commune, hein, ici. Et puis la troisième chose, c'était un substantif, et c'était le marché, c'est-à-dire marché avec un accent aigu si vous avez l'accent aigu sur votre clavier. Donc rompre, attention avec un R, commune et marché. Et je dois dire que Victoria Jacques peut être fière. Youhou! Vous avez bien écrit les trois mots. Bravo à vous. Regardez la deuxième chose. Elle découvre qu'à 46 ans, les choses ne sont pas simples et les rencontres sont compliquées. Elle découvre qu'à 46 ans, les choses ne sont pas simples et les rencontres sont compliquées. Alors là, j'avais envie de voir un petit peu comment vous écriviez 40. Certaines personnes n'avaient pas envie de l'écrire. Amira, qui est courageuse, l'a écrit et je dis bravo. Cosmina Bellou est quelqu'un de courageux aussi et ça, je le sais. Victoria Posse aussi a écrit 40. Yossi aussi. Iyer aussi. Ice Cubes aussi. Cherry's Medicine aussi. Merci beaucoup à ceux qui. Victoria Jacques aussi. Donc regardez, 40, on l'écrit comme ça. Bon, c'était juste pour tester. Ensuite, chose. Bon, ben ça, normalement, c'est pas très difficile. L'idée, bien sûr, c'était de le mettre au pluriel. Et puis, rencontre, c'est féminin. Donc, compliqué, ça doit être au féminin et au pluriel. Hein, c'est ça la chose qui est importante ici dans rencontres sont compliquées. Alors il faut savoir que rencontre c'était féminin et donc féminin pluriel. D'accord? Allez, la troisième chose. Attendez, j'appuie sur le bouton. Voilà. On y va. Elle veut absolument rencontrer un homme et l'épouser au plus vite. Elle culpabilise de ne pas pouvoir gérer sa solitude. Elle veut absolument rencontrer un homme et l'épouser au plus vite. Elle culpabilise de ne pas pouvoir gérer sa solitude. Écrivez les mots qui manquent.
Alors là, nous avions trois éléments, comme d'habitude, souvent, enfin c'est souvent le cas. Le premier, c'était absolument, alors je regarde vos réponses, absolument, vous l'avez bien écrit, save the best, attention, c'était oh, abso-so-so, absolument. D'accord, et puis après c'était U. Alors, absolument. Deuxième chose, c'est un verbe à l'infinitif, et c'était épouser. Attention, Sophia X, épouser avec un U après le O, d'accord? Et pouser, hein, c'est vraiment OU qui vous donne la sonorité OU. Et puis la dernière chose, c'était un substantif, c'était un nom, et c'est solitude. Attention, l'écrit vraiment avec un O. Save the best, attention, c'était O. Solitude. D'accord? Solitude. Je regarde les autres. Non, ça avait l'air d'être très très bien. Eh bien, écoutez, regardez et lisez avec moi, s'il vous plaît. Première chose. Adélaïde vient de rompre après des années de vie commune. Elle décide de s'élancer sur le marché de l'amour. Deuxième chose. Elle découvre qu'à 46 ans, les choses ne sont pas simples et les rencontres sont compliquées. Troisième chose, elle veut absolument rencontrer un homme et l'épouser au plus vite. Elle culpabilise de ne pas pouvoir gérer sa solitude. Alors, les proverbes du jour, s'il vous plaît, nous allons essayer de les faire rapidement parce que je sais que mon fils va bientôt arriver et il va me dire, papa, tu arrêtes. Allez, on attaque avec le premier. Et le premier, c'est le visage est le miroir du cœur. Le visage est le miroir du cœur. S'il vous plaît, que pensez-vous de ce proverbe? Alors, essai, Ravidja qui nous dit ce qu'on pense, le visage dit tout. Donc, vous pensez qu'effectivement, ce proverbe est tout à fait correct. Je ne sais pas si les autres veulent s'exprimer ou s'il reste un petit peu, oh non, Ior arrive et dit ton visage peut révéler ton cœur. Très bien. Save the best n'est pas d'accord. Save the best dit non, non, pas toujours. Ça n'est pas toujours comme ça. Est-ce que les autres veulent s'exprimer ou est-ce que les autres veulent
prendre un petit peu plus de temps. Alors attention, Nels Abrams nous dit, nous disons presque la même chose, mais avec les yeux. C'est vrai qu'aussi on l'utilise avec les yeux, ce concept, mais ça reste lié, hein, Nels, ça reste lié au visage. Et c'est vrai que c'est un concept qui est très intéressant, comme si le visage ou même les yeux disent beaucoup plus que les mots. Ça, c'est une bonne discussion qu'on pourrait avoir. Sophia X qui nous dit les yeux sont le miroir du cœur, donc vous êtes d'accord. Donc, avec Nels qui nous avait dit que c'était les yeux. Yossi, ce qu'on sent, ce qu'on ressent, on le voit sur le visage, d'accord. Julia qui dit, on dit que les yeux sont le miroir du cœur et je crois que c'est plus vrai que le visage. Je ne peux rien cacher dans mes yeux. Mais les yeux, ça fait partie du visage. Daria, on ne juge pas sur les apparences, mais dans beaucoup de cas, on peut dire certaines choses sur une personne justement après avoir vu son visage. Ah, c'est ça. Sophia X qui pense que c'est les yeux aussi. Soltan qui nous dit bonjour. Bonjour Soltan, vous êtes poli, ça fait très plaisir. Victoria Jacques qui nous dit le visage a toute votre expression, ça dit ce que tu ressens, ce que vous ressentez. Sapna qui dit oui, je pense que c'est la vérité de la vie. Notre visage montre les choses que notre cœur veut dire. Darren qui dit, comme les gens qui sourient souvent, généralement sont optimistes. Bickert, oui, la parole est vraie, ou le proverbe est vrai, il faut être positif et optimiste, le visage dit la vérité. Amira, les émotions du visage expriment les sentiments de la personne, d'accord? Deschen qui nous dit « ça nous montre ou ça montre notre émotion ». Très bien. I Just Called qui dit « parfois, mais certaines personnes trompent et ils cachent ce qu'ils ressentent ». Alors, Ice Cubes, je suis d'accord à 90%. Qu'est-ce que ça veut dire 90%? Parce que les gens avec le visage d'un bébé ne peuvent pas être aussi innocents qu'un bébé. Donc, moralité, Ice Cubes, il y a 10% de personnes qui ont des visages de bébé et il faut faire très attention des personnes qui ont des visages de bébé. Ensuite, Cosmina qui nous dit tout ce que nous sommes et sentons se voit sur notre visage. Nous ne pouvons pas cacher pour longtemps notre joie ou notre chagrin. Ça, c'est vrai, Cosmina, je suis d'accord avec vous. Alors, attendez, Fatima qui dit « oui, je suis totalement d'accord ». Paolo qui nous rejoint. Meiso qui dit « oui, mais le visage ne dit pas toujours la vérité ». Par exemple, si quelqu'un sourit, ça ne veut pas dire qu'il est heureux. Et ça, c'est vrai. Meiso, vous avez raison. Alors attention, le deuxième proverbe. Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'avis. Que pensez-vous de cette phrase, ou plutôt de ce proverbe? What we do here is go back, 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 back. Alors, pendant que vous écrivez vos petites phrases, Gehna Gupta
Martha nous rejoint et nous dit qu'elle apprend la langue française depuis janvier, qu'elle est indienne et qu'elle est nouvelle, qu'elle passe l'examen de Delph dans 20 jours. Bon courage, Gehna, et tout va bien se passer, pas de problème. Alors, Sophia X qui est désespérée. Sophia nous dit « Je ne comprends pas ce proverbe ». Alors, Sophia, l'idée, finalement, c'est pour dire que les gens normaux peuvent changer d'avis, ils peuvent changer d'opinion. Et c'est uniquement les gens qui sont fous, obstinés, qui ne changeront jamais, jamais d'opinion ou jamais d'avis. C'est ça l'idée. Yossi qui nous dit, il y a un proverbe similaire, être têtu comme un âne. Oui, c'est vrai Yossi. Mais alors dans ce proverbe, on accuse l'animal. Et je ne sais pas, est-ce que l'âne est vraiment aussi têtu que ça? Je ne sais pas, ça c'est une bonne question. Ior, votre choix est la meilleure description de votre mot. Alors ça, j'ai un peu du mal à comprendre, Ior, je ne suis pas sûr. Nels Abrams qui dit « Je suis d'accord, j'aime écouter ce type de pensée dans notre époque tellement extrême. » Donc vous pensez qu'on peut finalement changer d'avis et que... C'est toujours difficile de rester très très... très strict sur une opinion, les choses évoluent, non? Amira, si quelqu'un a tort, il faut avouer. Ben oui, effectivement. Daria, il y a des gens qui sont droits dans leurs bottes, pour utiliser les expressions que nous avons vues, merci. Mais, généralement, on peut dire que nos avis peuvent changer au cours du temps. On devient plus sage, on devient plus mature. Et ça, c'est vrai, Daria, je suis d'accord avec vous. I just called qui dit, je suis d'accord, les fous sont durs. Je ne sais pas ce que vous voulez dire là, I just called, c'est intéressant. Darren qui nous dit, ça me rappelle l'expression être droit dans ses bottes. Ah ben écoutez, ça me fait plaisir, si vous pouvez... faire des connexions entre les expressions, les proverbes, vous commencez à découvrir et à comprendre la culture française. Yulia qui dit, je pense que ça va changer nos avis et il faut changer nos avis. Ben oui, on est obligé de changer, sinon c'est compliqué. Ravija, on apprend toujours dans la vie et avec les expériences. Donc, ce n'est... alors... c'est, il n'y a que les fous qui... D'accord, donc vous pensez qu'il n'y a effectivement que les fous qui ne changent pas d'avis. Donc vous êtes d'accord. Ice Cubes, d'où as-tu trouvé cette expression? C'est un proverbe. C'est un proverbe, parce que Ice Cubes, donne quelqu'un. Un million. Alors non, c'est plus que... 1 000 000 000? Je ne sais pas, 1 000 000 et regarde s'il ne change pas d'avis. Attention Ice Cubes, changer d'avis, ça n'est pas changer l'avis, mais c'est changer d'opinion. Si vous avez des valeurs, si vous avez des convictions très très fortes, est-ce que 1 000 000 d'euros ou de dollars vont changer vos opinions ou vos valeurs? Ça c'est discutable. Cosmina Bellou, la voix de la raison. En général, les personnes équilibrées sont adaptatives et changement de l'environnement pour pouvoir vivre. On s'adapte, c'est ça Cosmina Bellou, hein. C'est la moralité. On s'adapte, on n'a pas le choix. Victoria Posse, nous devons apprendre à changer d'avis et à nous améliorer. Très bien, regardons la suite parce que, vous le savez, mon fils après va me réclamer. Troisième chose et troisième proverbe, c'est « loin des yeux, loin du cœur ». S'il vous plaît,
Que pensez-vous de ce proverbe? Alors, et là, je vois que les gens n'ont pas envie de faire de longues phrases puisque save the best for last dit, c'est vrai. C'est simple et c'est clair finalement. Irène dit la même chose, c'est si vrai avec beaucoup de i pour insister sur le fait qu'elle considère que c'est vraiment, vraiment vrai. Rabija, ce n'est pas toujours vrai. En anglais, on dit distance. Makes heart grow fonder. Ah ben d'accord, donc vous pensez que c'est le contraire, Rabija. Ice Cube qui dit oui, malheureusement, c'est vrai. Ah ben là, on sent quand même qu'il y a beaucoup de tristesse qui arrive. Deschênes, oui, c'est vrai avec des amis, mais pas avec la famille. Ah, donc on doit faire des différences. Ior qui nous dit, et quoi les yeux ne voient pas, ça ne demandera pas. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, Ior. Yulia qui dit, j'ai envie que ce proverbe marche. Si on répète des mots, on oublie quelqu'un, mais malheureusement, ça ne marche pas. Ah bah oui, mais ça c'est... Oui. Répétez les mots. Ah, vous vouliez répéter cette phrase-là? D'accord. Amira, je ne pense pas ça. Il y a des gens qui sont loin de nous, mais nous les aimons beaucoup. D'accord. Cosmina Bellou qui nous dit parfois la distance refroidit une relation. Cosmina, en général, elle écrit des longs textes, mais là, c'était uniquement une petite phrase. Donc ça veut dire que c'est clair. C'est clair, il n'y a pas de doute. Daria qui nous dit ça fonctionne bien. Quand nous ne nous voyons, ah non, quand nous ne voyons pas les gens qui, alors attendez, que nous aimons, nous arrêtons de penser à eux et on peut vivre normalement. On devrait se débarrasser du passé et profiter du moment présent. Waouh! Eh bien, écoutez, là, il y a quand même de la réflexion, hein, sur votre phrase. Sophia X, avec la technologie que nous avons maintenant, ce n'est pas vrai. Donc Sophia pense qu'avec la technologie, on n'est pas vraiment loin des yeux et donc nous ne sommes pas loin du cœur. Oui, Dad, je ne suis pas... Alors faites attention, je ne pense pas que c'est vrai, probablement. Oui, oui, Dad, j'ai du mal. On perd des personnes et on les oublie jamais. Ah, vous pensez que parfois on perd des personnes, mais ces personnes restent toujours dans notre cœur. D'accord, je comprends votre phrase maintenant. Ravija qui pense que c'est clairement le contraire de ce proverbe. Donc effectivement, Fatima qui dit on a le même proverbe chez nous et je ne suis pas totalement d'accord avec. Cosmina qui dit ce n'est pas une règle. Yossi qui dit savoir moins est bon pour la santé. Bah écoutez, Victoria, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes pardonnée. Victoria Jacques, qu'est-ce qui se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et Bickert nous dit tout simplement, c'est un proverbe qui peut-être est un petit peu difficile à commenter. No, I'm not a writer. Okay. Yeah.
Et là, c'est vraiment, vraiment la dernière rubrique pour aujourd'hui. C'est le plat du jour. C'est pas possible de vous laisser partir sans le plat du jour. Donc, nous allons faire le plat du jour et après, je vous libère. Regardons ensemble la quenelle. Alors, la quenelle, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment traditionnel en France. Je ne sais pas si vous connaissez la quenelle. Normalement, nous devions faire la quenelle hier. Attention, nous commençons avec la première chose. Trois mots qui manquent, comme d'habitude. La quenelle est une pâte moelleuse en forme de boudin. La quenelle est une pâte moelleuse en forme de boudin. Écrivez les mots qui manquent. Alors, nous étions à la recherche de trois choses ici. La première chose, c'était pâte. Donc, on l'écrit avec un circonflexe si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très très grave. Ensuite, c'était tout simplement la préposition en, hein, dans l'expression en forme. Et puis, la dernière chose, c'était un substantif boudin. Et donc, le boudin, c'est cette chose que vous pouvez voir. Je vous ai mis une petite photo. Donc, la quenelle a cette forme de boudin. Faites attention, il y a aussi pâte, on est d'accord, juste un T, mais un circonflexe sur le A, si vous avez le circonflexe sur votre clavier. Deuxième chose concernant la quenelle. Elle est confectionnée à partir de farine mêlée de viande et pochée à l'eau ou dans un bouillon. Elle est confectionnée à partir de farine mêlée de viande et pochée à l'eau ou dans un bouillon. Écrivez les mots qui manquent. Alors, on est à la recherche de trois choses ici. La première chose, c'était confectionner. Et là, confectionner, bien évidemment, j'attends le féminin. C'est-à-dire confectionner avec l'accent aigu, d'accord, mais aussi la marque de féminin, puisque on a elle comme sujet. D'accord? Donc, confectionner au féminin, s'il vous plaît. Farine, substantif, un nom, donc là vous l'écrivez Farine, c'est la farine. Et l'autre chose, c'était aussi un substantif, donc logiquement vous le connaissez, c'est viande, Viande. Très bien, confectionner, attention, attention, Victoria Jacques, conditionner. Pourquoi pas? Pourquoi pas finalement? Mais je préférais votre confectionner.
Votre première version, Victoria. Allez, on attaque avec la troisième chose, s'il vous plaît. Elles sont typiques dans la cuisine traditionnelle de plusieurs régions de l'est de la France et en particulier la cuisine lyonnaise. Elles sont typiques dans la cuisine traditionnelle de plusieurs régions de l'est de la France, en particulier la cuisine lyonnaise. Alors, l'idée ici, c'était de trouver trois éléments. La première chose, c'était typique. Idéalement, j'aimerais bien que typique soit au pluriel, puisque vous voyez que le sujet, c'est elle au pluriel. Donc, ça veut dire que votre typique, normalement, doit être avec un S à la fin. Typique avec un S, et là, je serais un homme heureux. Ensuite, nous avions un substantif qui est région. Vous remarquez que vous avez plusieurs avant, avec un S, et clairement, ça va appeler un pluriel. Donc région avec un S, et là je regarde, et là c'est correct. Oui. Là, non, franchement, oui, I just called, attention avec un S, s'il vous plaît. ensuite, particulier, en particulier, donc ça, vous l'avez bien écrit. Attention, Yossi, c'était pas particulière, mais c'était en particulier. Victoria Posset, attention, c'était pas particulière. Mais c'était particulier. Julia a fait la même erreur particulière, mais c'était particulier. Allez, s'il vous plaît, j'espère que vous allez lire avec moi. Comme ça, je me sentirai moins seul. Première chose concernant la quenelle. La quenelle est une pâte moelleuse en forme de boudin. Deuxième chose, elle est confectionnée à partir de farine mêlée de viande et pochée à l'eau ou dans un bouillon. Troisième chose, elles sont typiques dans la cuisine traditionnelle de plusieurs régions de l'Est de la France, en particulier la cuisine lyonnaise. Alors, regardez l'heure, ça n'est pas raisonnable. Normalement, nous faisons des lives qui doivent durer une heure. Le cours a duré 2h46.
Bon, en tout cas, c'était vraiment, vraiment sympathique. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses ensemble et ça, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Cette semaine, bah, écoutez, c'est comme aujourd'hui, hier, avant-hier, c'est à 4 heures, heure de Paris. Et je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne sais plus. Merci beaucoup. Au revoir et à demain. Thank you.